Bonjour à toutes et à tous, j'ai Kai et je vous retrouve sur Banjo-Kazooie pour la suite des plays. Alors, on va pas revenir tout de suite, on va pas continuer le jeu, on va d'abord ouvrir la porte. Enfin si, je vais le jeu bien évidemment, parce que sinon bah, ça va que je tourne, hein. Pour des fois. Alors, ce que je voulais dire c'est que je vais débloquer un des niveaux. Voilà, on va éviter de tomber dans la lave en fusion qui se trouve en dessous. J'ai débloqué un des mouvements qui nous manque. Il manque 9, donc faut 9 pièces. Ça va être Gobi, voilà. Comme ça, je vais chercher le mouvement qui me manque. Ça, je vais pouvoir faire deux ou trois pièces qui étaient impossibles à... Deux, trois pièces qui nous manquaient simplement, hein. Parce que c'est une pièce, mais niveau précédent n'était pas possible. Et pas mentir que j'ai pas un, mais deux niveaux incomplets à finir. Donc quand même envie d'essayer d'abord de les achever, ces niveaux-là. Parce que deux niveaux qui traînent, ça fait un peu beaucoup, je trouve. Le fait que je veux d'abord finir ces niveaux. Alors encore, ça va être Gobi, mais on va pas la finir. Nous, les vers de sable, sommes les seuls à survivre là-dedans. Red Gobi, voilà. Niveau sympatoche. Il y a un Jinjo derrière. Il y a des trucs à récupérer au fond de l'eau. Je vais même pas embêter à explorer tout, hein. D'abord, juste, j'ai le mouvement et je me tire. Ouais, ces mobs qui attaquent. C'est un mot de type plutôt égyptien. On explorera quand on aura. Ça, ok. J'ai compris, non, mais c'est bon, j'ai compris. Hein. Ils ont cassé les couilles. Voilà, allez. La top de la Bottles est ici. Bottles. Voici les super chaussures. Une fois au pied, ta petite poule pourra courir comme le vent pendant un certain temps. Son énergie est faible, je vais arranger ça. Cessation. Je connais tous les mouvements secrets du jeu. Voilà. Alors pour l'instant, on va pas rester ici à explorer ce monde. C'est quand même assez compliqué. Je vais juste vous montrer comment est-ce que ces bottes marchent. Où sont-elles les petites bottines? Il y a des bottes qu'on doit trouver pas très loin, enfin des chaussures de course. Comment Boto, j'avais dit qu'il y avait une paire de bottes, pas très loin. Je prends les plumes quand même parce que j'en ai besoin. Non, parce que je manque Kazooie. Les petites chaussures. Rabat une pièce de puzzle. Ouais, bon bah. Le truc, il faut que je trouve ces foutues godasses. Voir. Oh, bah tiens, toi. Je prends au passage, je veux dire, tant qu'à faire. On laisse pas un truc traîner comme ça, hein. Ça paraît pas. Alors, les mains mutantes là, de momies, zombies là. Pareil, les chaussures sont là. Merci. Non, j'avais depuis 1000 ans. Bien joué, mortel. On a quand même une pièce de ce niveau. On fait quand même une, voilà. Hein. Vous n'avez pas venu pour rien. On va revenir se finir les marais, le pic congelé. J'ai trouvé où se trouvent désormais les pièces de puzzle manquantes. La pièce de puzzle qui me manquait, hein. Il en manque deux, mais bon, il y en a une. On sait que c'est la course du morse. Ouh.
Ben 4 notes. Record du donjon, hein, 4 notes. Génial. Ton meilleur score. Ouais, meilleur score de 4. Waouh. Donc que voulais-je faire? Oui, alors déjà il y a une momie qui traîne. Mon courage à de quoi? Ton courage à quoi ma façon de m'habiller? Le marais moisi, c'est de l'autre côté. On va retourner au marais, comme ça on termine le marais pour récupérer la pièce de puzzle en croco. La vie bêtement là. Normalement, j'ai une paire de bottes ici qui me permet de pouvoir passer sur le ponton. Oula, les jambes de Kazuki qui s'allongent. Petite poulette. Et voilà, hop, on va retourner par ici. Voilà. Donc, on connaît ce donjon, hein. On l'a déjà exploré en partie. Est-ce que je vais faire 100% de ce jeu? Je sais pas. Je suis bien parti pour le long cours, mais je vais essayer d'accumuler des pièces de puzzle et des notes de musique dans des donjons que je connais. Du moins qui sont pas les plus compliqués. Et que c'est la gueule. Hop là, on va revenir voir Mumbo, on va lui demander, transforme-nous s'il te plaît en gentil petit croco, mais ne transforme pas en sac. Voilà. Continuons par ici. Alors oui, j'ai l'interrupteur ici plus à peine, j'ai déjà réussi. On va rappeler hein, pour ceux qui l'ont vu. En tout cas, moi ça fait plaisir de revenir sur ce jeu. Banjo Kazooie. Ça date, mais... c'est fun. Et bon, on a besoin de payer, hein. On a... non, je veux... me transforme. Je veux te le tuer. Oh. J'arrive pas à t'avoir, toi. Donc, en tout cas, on arrive près du croco géant. Entre dans le nez. C'est déjà le passage, hein. Et là, on a ce crocodile ici. Hé hey. Moi, c'est Misterville. Le croco le plus vorace de tous. Joue avec moi, tu gagneras un prix. Appuie sur A pour accepter ou sur B pour te dégonfler. Jeu est simple. Mange plus de chipouilles rouges que moi. Ah, je prends les bottes. Hé, hey, chope là, cette saloperie. Faut que j'en ai 10. Hey. Bonjour, j'ai foutu chaussures parce que les chaussures permettent de vous déplacer à grande vitesse dans ce temps d'espace. Je pensais que je suis un petit peu stressé et nerveux là et que je dis plus grand chose.
Comme là, je suis en train de meubler pour pouvoir finir le truc, ok. Et quand ça va rattraper. Vingt-huit contre 22. Victoire. J'étais trop facile. On va jouer à un autre jeu. Mange les rouges et évite les jaunes. Prêt? Pareil. Comme ça. Il y a plein. Il y a deux que je peux choper. Non, on veut pas de toi. Et une. Ça va revenir par ici. Allez, là, ça devrait revenir à droite. Voilà, il y en a deux ou trois là. Donc 23 contre 17. On devrait plus avoir trop de problèmes là. 26. 27. Victoire. T'as trop de chance. Je dois maintenant jouer à mon dernier jeu. Bon, uniquement ce qui est indiqué en haut de l'écran. Prêt? Ça fait chier. Je savais pas que c'était aussi chiant. De la rouge. De la jaune maintenant. Et là, les jaunes. De la rouge, là, il y a plein qui arrivent. Il est en train de tout vider, le petit fumier. Il y a pris un peu d'avance, là, par contre. Là, il y a plein de jaunes qui traînent. Là, la roue qui est en masse, de quoi pouvoir se gaver. Pour ça, t'es gentil, tu me laisses ça. Merde! Allez! Égalité! Non! Joueur 1 près! Bon, monsieur Ville est vainqueur, le petit va se faire croquer. Pas la peine. Bâtard. Hé hey. Oui. Allez. Ah, j'aurais dû gagner normalement. Là, je nous faut du jaune. Un petit signe. Jaune, jaune, jaune. Ah, voilà. Et à toi, viens là. Ah, c'est chiant, ça. Ça prend compte que t'es déjà en train de bouffer, tu vois. Les autres. Jaune. Jaune. Bon, je suis en... J'avance. Yes. Deux d'avance, c'est bon. Monsieur Villet, j'ai perdu. Voilà ton prêt. Allez. Non. M'en fous ton jeu, je veux pas. Ouais, sûr. D'ailleurs, c'est débile. Ouais, le navire, il a les 10 pièces, donc le navire, il se tire parce qu'il a fini ce donjon. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il rentre chez lui. Et on va aller donc dans la montagne enneigée.
qu'est-ce qu'il y a à la montagne enneigée? Eh bien, c'est très simple. Deux pièces de puzzle et surtout un interrupteur. Mais ouais, il y a un interrupteur. On l'a oublié, mais bon, on n'a pas pris l'interrupteur. On n'a pas trouvé l'interrupteur de la sorcière. Bon, une fois, je dis le mot interrupteur. Je l'ignore. Là, en tant que croco, on peut passer dans le marais. J'ai une boue trop faible. Pas grave. Bah, j'y partir. Maintenant, on n'a plus besoin de revenir ici dans le jeu. On va pouvoir aller en face. Et là, c'était la sorcière. On a... J'aime pas trop rester dans l'eau, hein. J'aime pas trop rester dans l'eau quand il y a un poisson assassin. Iséhache. Bon, donc là, il y a une petite momie qui traîne désormais, hein. Oui, c'est ça. Elle traîne ma cocotte, après tout. Plus inutile. Là, on va casser la petite... la toile. On va aller vers le donjon. Oh non, putain, c'est vrai, c'est assez connard. Bon. Voilà. On va y aller rapidement, je veux dire. Il y a juste deux choses à faire. Faire la course et tuer tous les bonhommes de neige. Ah, je l'ai pas dit. Ah, c'est ça, en fait, ce qu'il faut faire. Tuer les bonhommes de neige. Et quand tous les bonhommes de neige, on débloque une pièce de puzzle. Et c'est sous un de ces bonhommes de neige que se trouve l'interrupteur de Grunkilda. Hé hey, vite cours, ça te dit? Oui. J'accepte, évidemment. Mais je connais, j'ai compris, hein, je suis pas idiot. Hein. Allez. Plus vite, tu traînes. Franchement, on a les super bots de Kazooie. Oh, c'est pas, elle est pas hyper maniable, Kazooie, hein. Faut vous mentir. Bon, parcours reste le même, hein. Non! Mais les petits personnages, par contre. Trop lent! Viens plus vite à pied! Bénard. Allez, accélère, Kazooie. Faut le rattraper, heureusement. Juste pas se vautrer. Allez, derrière la ligne droite, c'est Rekai. Cours pas! Fumier! Dommage pour toi, Boogie est le plus rapide. Comment c'est que t'as accéléré à la fin? C'est une montée! Comment t'accélères en montée? Et encore, cours, tente. Essaie de ralentir cette fois. 3, 2, 1. Tu vas pousser. Tu fous ma gueule en plus, regardez ça. Il me gêne en plus, ce con. J'aurais réussi à passer les trucs si tu m'avais pas poussé. Bâtard. Mais regardez ça à chaque fois! Même endroit! C'est trop facile. Laisse tomber. Voilà, je suis tombé, donc voilà.
Ça va me faire chier cette course. Gueule. Je supporte pas. Gueule. Putain, il me fait chier ce traîneau à la con, cet enculé, regardez ça. Je passe devant là et puis il me coupe le chemin. Oh, tout le doublé, cet abruti. Mais arrête, tout connard. Voilà, je vais doubler. Bah, tu vas plus me faire chier. Tu vas accélérer pour me casser les couilles. Putain, cette porte. Toujours la même porte, hein. Et là, vous allez voir que je vais peut-être le doubler. Et qu'à la fin... Et merde. Partez, mon vieux casse. Je vais te faire foutre. Sel. Y'a pas le cheat code pour l'arrêter, attendez, pour le... Pour le ralentir. Y'a pas, j'ai pas un missile ou un produit qui peut balancer dans des œufs. Bouge. Et moi, ce connard me gêne là, qui se met devant moi à chaque fois. Mais non, putain, le calvaire. Oh, mais ce coin de merde. Est-ce que vous pensez qu'on va faire une hélice ou est-ce que vous pensez qu'on va y arriver? Surtout qu'après, en plus, il y a des bonhommes de neige morts à buter. On va me laisser baiser par un ours polaire en traîneau, putain. J'ai raté les bottes. Comment t'as fait ça, Akai? Je peux la fermer. Regardez, il ralentit en plus, ce petit peu. Et d'accélérer. Beaucoup de force, Akai. Regardez-moi ça, il accélère à fond. Il redouble. Voilà, pas de problème, voilà. Et pas d'erreur, par contre, il accélère à fond. Bon, pas pour... Il y a quasiment pas d'erreur. C'est juste qu'en fait, le jeu, bah, il le fait accélérer à certains moments. Hein. Si j'avais un temps précis à battre, ça se saurait. Hein. Je vais te faire pousser ton traîneau tout un jour. Il y a un petit gars comme ça, il fait chier qu'il me bloque. Hein. Là, on passe devant par contre. Et là, vous allez voir qu'il va être un petit coup d'accélérateur le machin. C'est truqué, hein, c'est vrai que le jeu accélère. Et on passe devant. Je passe devant. Vous allez voir qu'elle va sprinter, qu'il va avoir un petit boost. Oh non. Non, j'ai encore perdu. Prends ma deuxième médaille. Je sais que mes enfants. Comme j'ai déjà offert avec tes gamins, hein. Tu vois. T'es un mauvais père. Voilà, ça me pousse dans ta gueule, t'es un mauvais père. Bon, maintenant.
choses à faire. Et mets tous ces machins. Hey. 30, 31, 32. Après, les jeunes jeux, t'es gentil, mais j'ai aussi beaucoup de choses à faire que de m'occuper de vous, hein. Et toi là-haut. Voilà, aide-moi. C'est fait. J'ai tué celui là-haut. Comment ça fait que j'ai raté ça? Alors, on va rechercher des plumes. Des plumes rouges sur l'écharpe. 25 plumes, 27. On va chercher là le pas de là-bas. T'es un génie, toi, de faire le tour. Mais en grosse feignasse que tu es. Oh, le jeu, tu vas faire ta grande bouche. En fait, te supporter, t'entends de faire tes petits. Hey, hey. Là, tes bonnets sont relativement relous. Mais putain, elle esquive! T'es en face, droit dans le chapeau. Regardez ça. Ouf! Pas le moins! Et en plus, la top de Grunty est ici. J'ai activé juste après. Ok. Bon, voilà, un moins. Occupez-vous des autres. Il en reste plus deux. Quoi? Voilà, bim, et le dernier, allez. Saline avec son chapeau à la con. Ah. Ah si, voilà. Ah ouais, d'accord. À l'époque, je t'ai dit qu'il y avait forcément quelque chose en haut du chapeau. Ah, il y a quelque chose. Pour se voir tuer tous les bonhommes de neige, pour y accéder. Et craindre toutes les plumes pour pouvoir monter là-haut. J'ai pas cette plume par contre, je pense que je vais péter un peu un câble. Là, ça se vide dangereusement là. Les plumes. Dernière plume, dernière pièce de puzzle du niveau. Parfait. C'est fini. Allez, ce niveau là est fini, on va... Oula! On va récupérer les plumes, on va redescendre gentiment. Ah bon, petits... En plus, il y a des petits. Les adjoints qui doivent traîner un petit peu près des cadavres des bonhommes. Là, par contre, on va éviter de faire le guignol. Pas trop con, il y en a ici. Mon petit côté risqué, hein. On va prendre ce qu'il y a ici. On va se servir chez monsieur. Ah, parfait.
Ah. 3. On va dégommer la ruche. D'abord, activer la topteur. Prendre les plumes. La hitbox des plumes est quand même un peu petite, je trouve. Qu'est-ce que c'est? D'accord, il y a un petit pad là-haut. Alors, vous, par contre, excuse la petite ruche, mais je vais te dépouiller des magnifiques alvéoles parce que j'ai besoin de me soigner. Et maintenant, je vais quitter ce monde et on ne reviendra plus jamais en ce lieu. Alors, par contre, la pièce de puzzle là-haut, elle est pas facile à obtenir. Je vous montrer pourquoi. Ça nécessite un petit défi, en fait. Beaucoup de musique. Non, c'est pas la fois, allez. Enfin, juste le tour, en fait. Là, vous avez une magnifique chaussure. Et il faut atteindre le pad en un temps limité. Et toi, oiseau, laisse-le tomber. Pour ça, je vais bientôt porter. Là, on va passer là. On va aller chercher la note de musique. Enfin, pff, la note de musique. Bien sûr, c'est avec elle. La musique, ça se voit. Pièces de puzzle qui sont ici. Hé hé! Y'a rien au plafond, bien sûr que non. En tout cas, nous voilà avec un item débloqué, deux niveaux terminés. Je pense qu'on va désormais maintenant pouvoir partir en direction. Direction de quoi déjà? Oui, en direction. Bah, du désert. On va retourner vers le désert. Il n'y a pas de bot ici. En tout cas, bah allons vers le désert. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais tourner un autre épisode. Mais pour l'instant, je vous dis au revoir. À la prochaine. Et salut tout le monde. C'est avec Kai. Pensez à un petit pouce bleu.